Ah bah les gars, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur Twitch, un nouveau live. Comme vous le savez, samedi, eh ben, on est sur un live Just Chatting, on va discuter toute la soirée jusqu'à 22h et ensuite on va partir pour un jeu d'horreur dans le Flavien Horror Show, vous connaissez maintenant depuis 2-3 semaines. Eh ben, c'est notre nouveau rendez-vous chaque samedi soir, ravi de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon, petit aparté, déjà, je suis en retard. Donc, il y a une bonne raison, hein, vous le savez, moi je ne suis jamais en retard. Alors, comment vous expliquer ce malentendu? Bon, ce qui était de base prévu, on devait discuter jusqu'à 22h et ensuite partir sur The Beast Inside, donc un jeu que j'allais découvrir, hein, que j'ai chopé sur Steam. Et puis au moment, hein, au moment de voir si tout allait bien, si tout allait bien se passer, etc., que tout fonctionnait bien, eh bien, voilà, le jeu m'a dit fuck you, hein, littéralement, le jeu m'a dit bah non, tu vas rester affiché que 30 secondes et après ça part. Donc un petit crash des familles à moins de 5 minutes d'un lancement de live, comment vous dire que c'est pas mal, ça fait plaisir. Mais c'est comme ça, j'ai vu que c'était un bug récurrent, j'ai vu que c'était un bug connu par les développeurs. Donc bah écoutez, ma foi, je peux rien y faire. Ah bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire du coup pour remplacer, on va faire le jeu qui est prévu, qui était prévu la semaine prochaine. Et ben c'était FNAF 3. J'avais prévu de vous faire la semaine prochaine Five Nights at Freddy's 3 et pour qu'on puisse faire une semaine sur deux un FNAF. Mais là, j'ai pas d'autre choix. Concrètement, j'ai pas d'autre jeu sous la main. On passe tout le tour encore là. Donc, vous aurez du FNAF 3 ce soir. Et c'est pas plus mal. Hein. Ce sera bien. Mais je suis un peu deck quand même pour le The Beast Inside. Donc, je me ferai rembourser. Et puis, c'est tout. Ah bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Twitch, là, on est sur un live exclusivement sur Twitch. Avec comme sujet pour ce Just Chatting, on va partir sur un sujet bien sympa. Puisqu'on va parler de nos souvenirs d'enfance dans le jeu vidéo, dans le monde de la télévision, dans la musique, dans les dessins animés. En fait, on va faire un peu un bond dans le passé. On va discuter entre poteaux. Voilà, on va se faire des petits souvenirs. Ça va être très sympa. Et puis, évidemment, comme je l'avais dit déjà il y a quelques jours, si jamais vous avez envie de participer au fur et à mesure de la soirée, si vous avez envie d'intervenir et de discuter avec moi, c'est possible. Il suffira juste de le dire sur le chat, j'essaierai de sélectionner des gens et notre très cher Nao qui est présente ce soir vous autorisera l'accès au coin VIP sur Discord et puis vous pourrez me raconter une anecdote, ça peut être un jeu, ça peut être une série télé, ça peut être un film, ça peut être ce que vous voulez, comme une sorte de radio libre, ok, c'est un peu le but que j'avais envie de faire, que je vous avais annoncé sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc on va se lancer, on va discuter, mais avant, je vous accueille. Comment ça va Constance? Comment ça va Océane? Comment ça va Val? Comment ça va Ninja, Kurem, Manu, Gwen, Emily, Petit Violon, everybody? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous portez bien en ce samedi soir? Bon, encore désolé pour le jeu, j'espère que vous n'êtes pas trop deg. J'espère que au change, bon, vous êtes plutôt gagnant, hein, pour du FNAF 3. Ouais, ça va bien, merci. Au top, la commu, au top. Ça va bien. Attendez, je bois un peu parce que j'ai un peu soif. Tout ça, ça m'a donné soif. Ça va nickel. Écoutez, super. Ça va bien? Ouais, ça a l'air d'aller là, les copains. Bon, bah, c'est cool. Ça va bien, merci. Ça fait plaisir. Bah, moi, toujours le smile, hein. Donc, c'est cool. Journée de boulot finie, nickel. Impeccable, tu peux te poser. Est-ce que tu as ta petite assiette de pâtes? J'ai hâte d'être 22h. Mais oui. Bah, bien sûr, du coup. Maintenant, ça va être vraiment un live inattendu. Personne va s'attendre à ce qu'il y ait du FNAF 3, mais bon, c'est bien. Pas incroyable, ça arrive. Tu veux en parler, Jay, ou pas? Tu peux en discuter si tu veux. Ici, on ne juge pas. Ouais, ça va être le retour de Foxy, du coup. Voilà, bah écoutez, moi, je m'étais préparé à la semaine prochaine. Parce que, petit rappel, hein, la semaine prochaine, c'est dernière semaine avant mes vacances. On se voit pas pendant la dernière semaine de septembre. Donc, on se voit pas. Donc, dernière semaine. Et puis, grosse semaine, vous allez voir. Grosse semaine. J'espère que le bébé va dodo. Inch'Allah, Océane. Inch'Allah. Mais t'inquiète, t'y es pour rien, Eric. Eh, avec toute la liste que tu m'as conseiller, il fallait que je pioche le cassé, évidemment. Tiens, là, imagine le karma que j'ai, quoi. Ouais?
N'hésite pas, Gwen. Gwen, tu le mets dans la boîte à idées sur le Discord. Tu l'écris, si jamais on me l'a pas encore conseillé. En fait, je suis en train de me faire une wishlist de Steam, de jeux sur Steam. Et comme ça, dès que je vois qu'il y a une petite promo ou quoi, bah, je me le prends. Vous voyez? N'hésitez pas, si jamais vous avez des jeux d'horreur à... si vous avez des jeux d'horreur à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte à idées sur le Discord. D'ailleurs, merci, hein, vous êtes énormément sur le Discord, c'est vraiment un Discord de dingue. J'aime trop cet endroit, merci à vous. C'est vous, c'est grâce à vous tout ça. Ouais, ça me fait du bien. Je vais pas te mytho. Oh, alors en fait là, ce que je suis en train de faire, Constance, je suis en train de préparer mon boulot de la semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire un max de TikTok, de max de contenu. Comme ça, je vais essayer de pas trop être sur mon téléphone et de profiter. Voilà, je vais essayer, mais c'est pas évident de décrocher. Toi, un petit C. Voilà. Soirée là, avec pour thème nos souvenirs d'enfance. Ah bah on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses en souvenir hein, d'enfance. Hein. On en a fait des trucs, du jeu vidéo, des émissions de télé, des musiques, des livres, des dessins animés. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer. On va commencer parce que le live va être un chouïa structuré. Hein, vous me connaissez, moi je suis vachement organisé. C'est comme quand j'ai fait une construction sur Tears of the Kingdom. Il y a un point A, il y a un point B. Je veux dire, je ne peux pas commencer par les roues et puis... Enfin, vous voyez, il y a une structure. Donc on va commencer, évidemment, par les dessins animés, par tout ce qui touche à la télévision. Et puis, vous allez me dire, je vais lire vos messages. Ça va être très sympa ce petit live. Je vais lire vos messages. Qu'est-ce que concrètement, comme dessin animé... Alors là, on va rester sur les dessins animés. Mais quel dessin animé vous regardiez quand vous étiez plus jeune? C'était quoi votre morning routine de dessin animé? Genre avant d'aller à l'école ou alors j'en sais rien. Quels étaient vos dessins animés que vous aimiez quand vous étiez plus jeune? On va voir si on en a certains en commun. Mais non, c'est pas si loin que ça, Kazou, voyons. C'est pas si loin. Scooby-Doo, génial! Les Looney Tunes, j'adorais les Looney Tunes aussi. J'aimais trop. Ah, Barbe à Papa, Magical Doremi. Oh là là, les souvenirs. Code Lyoko. Code Lyoko, tout reprogrammé. C'est beau. Ça cartoon. Oh là là, ça cartoon le dimanche soir. Moi, ça me mettait en PLS, Constance, parce que ça annonçait le retour à l'école le lundi. Ça me met en PLS. Albator, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Ben 10, j'ai jamais regardé. Booba, mon petit ourson. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Estelle? Ça va, Estelle? Jeanne et Serge. Oh, le bus magique. C'était bien aussi. Ça vous rappelle de bons souvenirs tout ça, hein? Sonic X. Amtaro, mais bien sûr. Bien sûr, Amtaro. Évidemment, j'aimais trop Amtaro. Là, Amtaro, moi je regardais ça plutôt le midi. C'était pas le matin. Moi le matin, ce que je regardais. Alors Cartoon Network, c'était plus dans l'après-midi après les cours. Le matin, j'aimais trop regarder Franklin. Vous avez le droit de me juger. Hein. Mais j'adorais regarder Franklin. Je sais pas, ça me mettait bien, ça me mettait good vibes. J'aimais trop. Franchement, Franklin, c'était genre un dessin animé que j'aimais trop. C'était rassurant. J'aimais trop Franklin. J'aimais bien aussi Marcelino. Il a une belle vie, Marcelino. Hein, ce qu'on vit la fin. Ouais, les Totally Spies, évidemment. Évidemment, Totally Spies, je regardais aussi. Ça, les Totally Spies, ça passait surtout quand j'étais je regardais quand j'étais en vacances ou le week-end. Oui, Franklin qui lasse ses chaussures alors qu'il en a pas. Exactement. Oui, Marcelino, c'était bien. C'était chill, hein. Ah, c'était très chill, hein, Marcelino. Hein. Ah oui, ça donnait envie de vivre, concrètement. Ah ouais. Bah, moi aussi, j'adorais Franklin. Franklin, il y avait Franklin, son l'ours, il s'appelait Martin. Il y avait une. Je sais même plus son nom à l'autre. Celle que j'aimais plus là. On en a parlé en plus il y a pas longtemps. Je l'aimais plus. Midi les Zouzous, mais oui! Midi les Zouzous, c'était trop bien. Hein. Pareil, bah Midi les Zouzous, il y avait Magical Doremi.
il y avait comment? Bah il y avait Amtaro, il y avait les mystérieuses cités d'or et il y avait Princesse Sarah. Voilà, Princesse Sarah, Midi les zouzous, pareil, Princesse Sarah, tu regardais ça, t'étais en joie, t'étais ah t'avais envie de sourire à la vie, hein. Ah concrètement Princesse Sarah. Olive et Tom, j'ai jamais regardé. Oh, mais oui, ils faisaient que courir. Olive et Tom, ils arrivaient jamais à aller dans le but. C'était long. Merci pour le sondage, n'hésitez pas. Les modos vont habiller ce live. Merci beaucoup, hein. Les petits sondages vont pop. N'hésitez pas à répondre de temps en temps. Ça fait plaisir. Les chevaliers du Zodiaque, ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais regardé. Est-ce que quelqu'un veut venir sur le live pour me raconter ses dessins animés préférés? Est-ce que quelqu'un veut venir? Vraiment, c'est chill. Moi, je vais vous accueillir avec grand plaisir. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre à l'aise. Vous restez 4-5 minutes, histoire de raconter vos dessins animés. Si jamais vous avez envie, n'hésitez point. Cat Eyes, mais oui, de fou. Oh, ma soeur, c'était une grande fan aussi. Sailor Moon, c'est pareil. J'adorais Sailor Moon, mais j'en regardais pas énormément. Ça passait pas aux horaires où j'étais libre. Ouais, Midi les Zouzous, c'était France 5? Je m'en souviens plus. Ah ouais, peut-être, ouais. Je m'en souviens plus. Oui, c'était France 5, oui, bien sûr. Sakura, chasseuse de cartes. Sakura, chasseuse de cartes. Ah, ça c'était incroyable. Oh, j'aimais trop. J'aimais tellement. Eh, il faudrait qu'il fasse un remake, à part s'il y en a déjà un qui existe. Mais oui, Sakura, chasseuse de cartes, c'était incroyable. Jace et les conquérants de la lumière. Alors là, je ne connais pas. Là, je pense que ça doit être un dessin animé des années 80. Je ne connais pas. En période Dorothée, peut-être. Bon, il n'y en a pas que je ne connais pas de la période Dorothée. Naruto. Ah oui, vous regardiez ça? Mais vous êtes jeune à ce point-là, parce que Naruto, ça passait à la télé comme ça, Naruto? Enfin, ça passait sur quoi, Naruto? Belle et Sébastien. Oh, mais oui, j'en souviens. On parle des dessins animés, là, en ce moment. Des dessins animés de notre enfance. Ça va, et toi, Julie? Ah oui, Belle et Sébastien. C'était sympa. Je suis jeune. Mais bien sûr que t'es jeune. Ça va bien, merci. Tous ceux qui débarquent, prenez place. Ah ouais. Ah, sur la 17. Oui, sur Virgin Radio, les trucs là. Oui, je vois quelle chaîne. Ok. Game One aussi, ouais, ça passait, ouais. Game One, j'ai jamais compris. C'était une chaîne dédiée aux jeux vidéo, à la base. Il y avait que des mangas. Il y avait que ça. Tu voulais regarder un truc spécial jeu vidéo? T'avais manga. Ouais, c'est vrai, hein. Il y avait des beaux dessins animés. Clifford! Ah oui, j'aimais bien Clifford. C'est vrai. Bon, on a tous grandi avec des dessins animés, hein. C'était chouette, hein. Ça a bercé notre enfance, hein. C'était cool. Pokémon, évidemment. Évidemment! Pokémon! Bien sûr, Pokémon! Oh, je regardais à fond, moi, Pokémon. J'étais à fond dedans, la Pokémania, mais à fond de balle. Totalement. Killary, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est Killary? Ça ne me parle pas du tout. Killary? Bah tant mieux pour lui, c'est Killary, mais c'est quoi? Attends, Killary. Killary, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas du tout. C'est bien? Je ne connais point. Bah ouais, Pokémon. Inspecteur Gadget, j'aimais bien. Oh, Inspecteur Gadget, c'était trop bien aussi. Inspecteur Gadget. Oh, c'était trop bien. Tintin, ah, ça m'a angoissé. Oh, alors, je sais pas pour vous, mais moi, Tintin, ça m'a toujours angoissé. Tintin, c'est toujours un. Ça m'a toujours angoissé, ce dessin animé. Oh là, je sais pas pourquoi. Ça m'angoisse. Cédrix, ah mais oui, quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah ouais, moi Tata, ça m'a toujours angoissé de ouf. Il y a une série qui me fait rire avec un acteur qui s'appelle Flavio Alexander, tu connais? Pas du tout.
Titeuf, évidemment. Titeuf, carrément. Martin Matin, oui, Martin Matin. Martin Mystère aussi. Oh, j'aimais trop Martin Mystère. Bob l'éponge, je pouvais pas me le voir. Alors Bob l'éponge, j'aime bien aussi. Ma sœur, elle en était fan de Bob l'éponge. J'aime bien Bob l'éponge, mais pas de là, genre à... Je vais pas chercher à regarder, tu vois. J'aimais bien quand ça passait de temps en temps. Mais sinon, j'allais pas regarder de fou Bob l'éponge. Mais j'aime bien. Salut Zaya, salut tous ceux qui débarquent. Il y a beaucoup de messages, donc du coup, n'hésitez pas à remettre. Et je rappelle, hein, si jamais vous avez envie, si vous avez envie de venir discuter avec moi pour me raconter une anecdote, pour discuter avec moi de vos souvenirs, dessins animés, séries, ce que vous voulez, vous me mettez en mentionné, ok, vous me mettez un message en avant, vous me dites je veux passer à la radio. Donc, ça sera plus simple. Famille de la jungle. Oui, mais c'était crade ça. C'était crade. C'était pas un peu dégueulasse, non Famille de la jungle. Il y avait les dessins étaient un peu dégueulasses, je trouve. C'était un peu crados, j'ai l'impression. Tex Avery. Mais oui. Eh, vous avez des beaux souvenirs quand même, hein. Vous avez de beaux souvenirs. Ça fait plaisir. Bioman. Oh, moi, je connais Bioman. Ces petites parodies. Bioman. 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 Ouais, Albator. Ben, pareil. Genre, les zinzins de l'espace, ça m'a toujours angoissé. Ces dessins. Tu vois, genre, les zinzins de l'espace, ça m'angoisse. Y a quoi d'autre? Les zinzins de l'espace. Bah, y avait la famille de la jungle, ça m'angoisse aussi. C'est les dessins. Certains dessins animés, ils me... Ouais, ils m'angoissent, quoi. La DA, elle m'emballe pas. Ah, y a des beaux souvenirs, ça fait plaisir. Eh, ça vous donne pas envie, des fois, de retomber vraiment en enfance, genre, quand vous étiez un peu plus jeune. Et puis de... Innocemment, vous étiez là en train de regarder vos dessins animés. C'était quand même super cool. C'était chouette. Hein. Eh, vous êtes déjà 26, merci à vous. Ben, je viens de lancer le live. Merci à vous d'être si nombreux pour un jeu chatting, ça fait plaisir. Oggy, les cafards. Pareil, ça m'angoisse. Ben, évidemment. Moi aussi, Kivini. Je serais capable de me retaper les dessins animés, mais évidemment. Moi, il y a des dessins animés que j'aimais trop. C'était les Super Nana. J'adorais les Super Nana. Moi, j'ai baigné avec Cartoon Network. Donc, les Super Nana, Ed plus Eddie, Courage le chien Froussard, Johnny Bravo. Tous ces dessins animés-là, c'était mon enfance. J'aimais tellement Cartoon Network. Voilà. Après, bien sûr, j'ai grandi comme vous. Hein. J'ai regardé La 5, j'ai regardé T'es fou. Il y avait plein de dessins animés. Il y avait aussi les mini-justiciers. C'était pas mal, ça. Parce que en fait, inconsciemment, ça te laissait un message important sur le harcèlement. Ça te parlait de plein de sujets forts. Ça laissait passer des petits messages de tolérance, d'acceptation. C'était vraiment très sympa. Comme, je sais pas si vous en souvenez. C'était des petits bonhommes, là. Des petits élèves. Il y avait toujours un qui était tout seul, qui se faisait harceler, etc. Et il devenait un mini-justicier. Et puis ça allait beaucoup mieux, vous vous souvenez de ça? C'était génial. Et c'est un bon exemple, ça. En vrai, ça c'est un bon dessin animé à faire regarder aux enfants. C'était sympa, parce que ça te permet de dire que malgré les critiques, malgré ce qu'on dit de toi, sur ton physique, sur ce que t'es, sur ce que tu dégages, sur tout, eh ben, faut pas faire attention à ce que les gens disent. Et que, bah, au fond de toi, il y a un petit héros qui est là. Galaxy Football, je connais pas. La maison des amis imaginaires, ça me parle pas du tout, Julie. Ça me parle pas du tout. T'avais aussi la série animée Batman. Oh, il me faisait peur, le générique. Oh, qu'est-ce qui me faisait peur, le générique de Batman, là? Dans la nuit. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Genre quand il était en haut des bâtiments, et t'as les éclairs. J'avais peur du générique de Batman. Ça m'angoissait. Alors que c'est con, hein. Ça m'angoissait à fond de balle, hein. Ginger? Je connais pas, Elodie. Ça passait sur quoi? Ah ouais, ça faisait peur, hein.
Non, pas besoin du modelant, je lis très bien, t'inquiète, Manu. Traumatisant, il avait la prophétie des grenouilles. Ah, mais je ne connais pas du tout. Ah, c'était sur France 3. Ok. Atomic Betty, ça me parle ça. Atomic Betty, ça me parle. Ça ressemblait à quoi ça, Atomic Betty? Attendez. Atomic Betty. Ça me parle ce truc. Qu'est-ce que. Oui. Ça y est, je m'en souviens. Atomic Betty. Avec son petit compagnon avec le visage tout vert là, je m'en souviens. Oui, t'as les souvenirs. Oh là là, ça repop, hein. Je m'en souviens. Téléchat. Alors, je connais deux noms, j'ai jamais regardé. Ouais, ça y est, je m'en souviens de. Je m'en souviens. Les Winx. J'ai pas regardé. Il y a des beaux trucs hein, quand même, hein. Il y a eu des bons dessins animés, hein. Et Arnold, avec sa tête en ballon de rugby, là. Arnold et je sais plus comment elle s'appelait, sa go, là, la blonde. Arnold et... je sais plus. Vous allez me le dire. Hein. Mais avec sa tête en ballon de rugby, Arnold. Et il y avait son pote aussi avec la coupe afro. C'était marrant. J'aimais bien. Les Razmoquettes, évidemment. Elga, c'est ça! Putain, vous êtes trop fort. Elga! Oui, c'est ça. Vous regardiez aussi Pingu? Pas du tout. Je connais, non, mais j'ai jamais regardé vraiment. Mais c'était un truc muet, je crois, c'est ça, avec le petit pingouin. Je connais, non, mais j'ai jamais regardé. Kangoo Junior! Il y avait Kangoo et Kangoo Junior. Kangoo, c'était un peu plus mature. Genre un peu les Kangoo de la street qui jouent au basketball. Et t'avais Kangoo Junior, c'était plus. Voilà, c'était plus mignon. Et t'as vraiment les kangous. Ils étaient pas venus là pour blaguer, là. Team Galaxy. C'est chouette. Il y a de beaux souvenirs, hein. Ouais, Chevalier du Zodiaque. Ouais, on en a parlé. Foot de rue. Alors, foot de rue, j'ai jamais regardé. Foot de rue, jamais. Je crois que je commençais à lâcher un peu les dessins animés avec foot de rue. Arguet? Je connais pas. Ça me parle pas. Vous me faites rappeler de bons souvenirs, hein? Oh, la famille pirate, pareil, j'ai jamais accroché. Pareil. Les rats, pareil, jamais accroché. American Dragon avec Jake Long? Oh, ça me parle pas. Par contre, il y avait des dessins animés Jackie Chan. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez du dessin animé Jackie Chan? Avec le yeuve qui fait c'est pas fini! Vous vous souvenez du dessin animé Jackie Chan? C'est trop bien. Marsupilami, évidemment! J'aimais bien ça. Malcolm. Bon, c'est pas un dessin animé, Malcolm! On y retournera après. Tom Tom et Nana. Oui! Oh! Tom Tom et Nana! Oh là là! Mais Tom Tom et Nana, mais ça me fume! Mais MDR, mais Tom Tom et Nana, mais je suis mort! Oh, mais j'aimais trop! Mais c'était court! Ah, j'étais frustré, c'était tellement court! Ça va, Jérôme? Princesse Sarah! Oh non! Oh non! Princesse! Sarah mignonne, petite fille. Oh là 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 là. Ouais, on en a parlé de Princesse Sarah. C'était vraiment le dessin animé qui te mettait l'angoisse. Les dessins animés Batman et Spider-Man, mais tellement. Alors pourtant, je ne suis pas super-héros, mais le dessin animé Batman, je trouvais trop classe. Chocolat et vanille, mais c'est quoi ça? Bah attendez, mais what the fuck? Mais c'est quoi chocolat et vanille, mais. Mais vous inventez des dessins animés ou quoi là, Chocolat et Vanilla là? Attends, Chocolat et Vanilla, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dessin animé ça? Chocolat et Vanilla? Je ne connais pas du tout, c'est beau! C'est quoi, c'est des sorcières? Ah ouais, c'est des sorcières! Ok, je connais pas. J'adore. Ça fait plaise. Wakfu, j'ai jamais regardé! J'ai jamais regardé. Les aventures de Flavia au pays des champignons. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'as raison.
Bien sûr, bien sûr. T'as raison, voilà, t'inquiète. Mais bien sûr, oui, Royaume des champignons, même pas j'y mets un pied, même pas j'y mets un orteil. Marcelino, mais tellement! Mais oui, il est trop. On en a parlé. Marcelino, il est tellement incroyable. Ah, Val, tu veux venir sur le vocal? Val, n'hésite pas, hein, si tu veux venir, tu viens sur le Discord et il y a quelqu'un qui va te. Il y a Nao qui va te mettre sur le vocal. Et tu vas apparaître juste ici, tu vas pouvoir me raconter une petite anecdote, Val. Ok? N'hésite point. Les Schtroumpfs, bah oui. Ça faisait Schtroumpf plaisir, ça. C'est Schtroumpfement bien. Sailor Moon. Mes parrains sont magiques. Non mais attendez, mais what the fuck, mais il y a des trucs que je ne connais pas du tout, hein. Oh, mais c'est cool. C'est cool d'échanger sur ça. Si tu veux, Val. Oui, surtout ne pète pas dans le vocal. Les Snorkies. Attends. Attends. De nom, ça me parle. Les Snorkies. De nom, ça me parle. Je crois que je vais débloquer un souvenir là. Je crois que je vais débloquer un souvenir incroyable. Oh my god, les Snorkies! Oh, ces petits aliens avec une paille sur la tête, mais je suis mort. Oh, tu m'as débloqué un souvenir de dingue. Je collectionnais, je crois, les Snorkies. Oh là 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 là. Je crois que j'avais déjoué les Snorkies. Tu m'as débloqué un souvenir de malade. Allez regarder les Snorkies. Ah, c'est très vieux aussi. Hein. C'est bizarre que je connaisse ça alors que je suis né en 2002. Mais bon, c'est la culture générale. Oh, les Snorkies. Beyblade, bien sûr, ouais. Oh, Beyblade, qu'est-ce que ça a cartonné. Et tous ces dessins animés, on va rester sur les dessins animés. Mais il y a plein de dessins animés. Ben, on était tellement fans. Là, c'est ce que je disais. Qu'on avait en jeu de société. En figurine. Qu'on avait en puzzle. Qu'on avait par exemple, les Barbie. Les Barbie, les Action Man. Hein, c'est ouf. Moi, j'avais des Action Man. J'avais plein de dessins animés qui venaient parfois de dessins animés. Genre là, ça, là, ce qu'on vient de dire, les Snorkies. C'était dingue. Bah oui, Yu-Gi-Oh! Bah voilà, c'est un parfait exemple. Yu-Gi-Oh! Pokémon. Pokémon, moi, les cartes Pokémon. Mais attendez, mais moi, j'étais ultra fan des cartes Pokémon. Ça peut être aussi Beyblade. Ah non, mais carrément. À tout, petit violon. Mais les cartes Pokémon, mais moi c'était ma vie. Quand Pokémon, ça a débarqué chez nous, on était tellement dans la Pokémania. On avait le droit de ramener les Game Boy à l'école et tout. Mais nous, on jouait à Pokémon Rouge, Pokémon Bleu, on avait nos cartes. En fait, nous, je sais pas si vous jouez comme moi aux cartes Pokémon, mais les cartes Pokémon, on avait une façon d'y jouer. On les étalait contre un mur, tous debout, hein, et on avait un caillou. Et celle qu'on faisait tomber, elle nous appartenait. On les gagnait. Autant te dire que le ratata, il était éclaté au sol. À la fin, il y avait des trous partout, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Oh, les feuilles d'Idol. Il y avait un dessin animé d'Idol? D'ailleurs, c'est une bonne question, ça. Les Razmoket, bah oui. Bisounours. Bah, Titeuf, Titeuf, c'était excellent, Titeuf, hein. En vrai, quand t'y penses, Titeuf, c'était excellent. Les BD, moi, au CDI, on lisait que Titeuf. On ne lisait que Titeuf. Il y avait genre 20 000 livres dans le CDI. Il y avait que 20 000 livres. T'avais la meuf du CDI qui voulait absolument qu'on lise plein de livres sur la découverte, la géographie, sur l'histoire. Voilà, tu vois, genre, ils veulent absolument que tu lises des livres incroyables. Et puis, bah, t'allais où? T'allais juste au bac où il y avait Titeuf. Et les chairs de poule! Les chairs de poule! Je suis mort. Eh ouais, Nanook, toute bonne chose est une fin. Les X-Men, oui, les X-Men. Le bus magique. C'était bien le bus magique. C'est vrai. Hein. Oh, il y en a tellement. Vous avez vu? Il y en a tellement. Bah là, on va repartir. On va rebondir un petit peu sur les. On va rebondir un petit peu parce que là, on parle de chair de poule et tout là. Vous lisiez ça? Vous lisiez ça, les livres? Est-ce que vous lisiez des livres déjà jeunes? BD, manga, livres. Qu'est-ce que vous lisiez? Comme ça, on va partir sur une.
un autre sujet, doucement. Vous avez vu la transition, comment elle est belle? Moi, je lisais les chars de poule. Je lisais des mangas. J'ai lu jusqu'au collège des mangas. Après, j'ai totalement arrêté. BD manga aussi, vous lisiez quoi comme BD? En BD, moi j'aimais bien lire Lucky Luke. J'aimais trop. Les J'aime lire, j'aimais trop aussi. Ah ouais, les J'aime lire. Les chairs de poule, ça me faisait tellement peur, mais j'aimais trop. J'étais complètement crazy. Mais évidemment. Les Torgal, c'est pas du tout pour les enfants, c'est suisse, c'est incroyable. Mes parents avaient donc je l'ai chopé. Ok, je ne connais pas. Gormiti Winx et les Witch. Oh, oui, j'en connaissais plein qui lisaient ça, les Witch. Oh, de fou, c'était une mode. C'était une mode de dingue. Je lisais, mais aucun souvenir. Arrivé au collège, j'ai découvert les mangas et depuis, j'ai pas décroché. Bah, moi, c'est pareil. Je lisais les. Enfin, j'ai décroché, moi. Mais je lisais des mangas. Ma soeur m'a mis au manga. Elle m'a offert toute sa collecte. J'ai commencé. Alors, imaginez. J'ai commencé. J'avais 10 ans, je crois, 11 ans. Et j'ai commencé avec les Lovina. Donc, bon, un peu porté sur le. Bon, voilà. J'ai commencé avec les Lovina. J'ai adoré les Lovina. Après, j'en ai entamé plein. J'ai mon manga préféré, celui que je vais me souvenir le plus, qui m'a laissé les meilleurs souvenirs, c'est Fruit Basket. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai adoré Fruit Basket. J'ai adoré. Donc, voilà, j'ai lu plein de trucs. J'ai lu vraiment plein de trucs. Et puis après, vers. Merci Lano Katout! Et puis après, j'ai arrêté les mangas. Vers le collège, et il y avait une fille dans ma classe, Céline, que j'embrasse. Elle lisait énormément. C'était un peu la fille, un peu qui était sur le téco. Et je l'aimais bien, je l'adorais. Elle était très timide, super. Et elle lisait également des mangas. Elle était à fond dans sa bulle manga et tout. C'était son anniversaire, ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans un sac. Écoutez-moi bien, il y avait je crois, une centaine de mangas, c'était hyper lourd. Hein. Un sac cabas de malade, ma mère m'avait accompagné au lycée, enfin c'était une dinguerie. C'était son anniversaire, j'ai pris, il y en avait pour je sais pas combien d'euros, hein. Il y en avait plein. Je me suis dit, j'ai pas envie de les revendre. J'ai pris tous les mangas, j'ai mis tout dans un sac cabas là, je m'en souviens. Je l'ai limite traîné le sac. Et c'était l'anniversaire de Céline, et ben je lui ai dit, tiens, joyeux anniversaire Céline. Elle a ouvert le sac. Attends, je me souviens toujours de son regard et de son sourire. Elle était complètement choquée. Elle a vu tous les mangas. Elle a pété un câble. Oh, elle m'a fait des câlins. C'était trop beau. C'était incroyable. C'était trop chouette. Ouais, Fruit Basket, c'était chou. C'était adorable. Sourire d'enfer. Ouais, elle était contente. Elle était contente. Mais je m'en souviendrai. Mais tu sais qu'elle m'en a reparlé. Je l'ai recroisé. Je l'ai recroisé il y a 10 ans plus tard. J'ai recroisé 10 ans plus tard devant une boutique où je travaillais et elle m'en a reparlé. Donc c'est ça que ça lui a marqué. Ça lui a marqué de fou. À toute Émilie! Ah oui, les Martines! Martine à la plage, Martine qui fait du ski, Martine. Oui, Martine. Oui, bien sûr. C'est vrai, les Martines. Y a des beaux trucs là. Les contes de Grimm! Max et Lily, ça me parle. Max et Lily, ça me parle. Attendez, faut que je cherche ça. Max et Lily. Attendez, Max et Lily, c'était quoi déjà? Voilà, ça me parle. Voilà, je m'en souviens. Les oui? Ah ouais? Ah oui, ça l'a marqué de fou, hein. Ça, c'est sûr. Bibliothèque rose? What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous. Mais je vais complètement avoir une certaine bibliothèque rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais avoir une culture sur les livres et les mangas. Je ne connais pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. J'ai jamais vu ça. Ça ne me parle pas du tout. Oui, voilà. Ça sensibilisait, exactement, ça sensibilisait les Max et Lily, je m'en souviens. Oui, c'est vrai, les messieurs, madame. Non, c'était bien ça. Ouais, les titeufs, ouais, BD, hein. Ce que vous lisiez, quoi, en général. Les BD, ça compte, hein. BD, manga, les revues, les journaux aussi, genre, est-ce que vous lisiez les trucs du style le journal de Mickey?
Les Twilight. Oh, c'était la mode, les Twilight, à fond de balle. Les mangas Pokémon. Ah ouais! C'est vrai. La gaffe? Je ne connais pas du tout. Personne lisait les livres dont on est le héros. Je connais que de nom, j'ai jamais lu. Tu as toujours des collections de livres, Bibliothèque Rose pour les plus petits. Ok, ça me parle pas du tout. Ok, trop cool. Y avait le petit quotidien. Oh, ça me parle ce truc, oui! Le petit quotidien, carrément! C'était bien ça aussi! Oh, les souvenirs! Twilight. Alors moi, j'ai jamais kiffé Twilight. Oh, je suis désolé s'il y a des fans de Twilight. Je suis vraiment sincèrement désolé. J'ai jamais kiffé. Je suis jamais rentré dans l'ère Twilight. Je sais pas. Il y a un truc que je pouvais pas. J'ai eu beaucoup de mal. Calvin et Hobbes. Je ne connais pas non plus. Qu'est-ce que c'est, Gossi Gossa? Ah ouais, non mais. J'aime lire. J'aime lire. J'aimais trop aussi. Hein. J'aimais trop. Ouais, Twilight. Twilight. On peut switcher hein, si vous voulez sur les films. Sur les films que vous aimez, vous regardiez plus jeune, les films ou les sagas de films, hein, si vous voulez. Mais vraiment, Twilight, ça fait pas partie des sagas de films. On va parler plutôt de sagas, comme ça sera plus structuré. Twilight, non, j'ai jamais vraiment regardé. Ça m'a jamais spécialement attiré. J'ai regardé le premier Twilight. J'ai pas été emballé. J'ai pas été au-delà. J'ai pas fait plus. Je me suis dit, bon, allez, un c'est bien. On va arrêter là. Voilà, on va plutôt parler de saga de film. Ok, ça marche, Gossi, je connais pas. Harry Potter, évidemment. Eh, mais je crois que Harry Potter, je crois que j'ai loupé un des films. Ou alors je m'en souviens plus. Franchement, je m'en souviens plus. Je crois que les derniers, je les ai vus peut-être qu'une fois. Et je m'en souviens plus parce que ça remonte il y a tellement longtemps. J'ai saigné le premier. J'ai saigné le deuxième. J'ai saigné le troisième. Un peu moins le quatrième, le cinquième, et après crescendo, je l'ai regardé moi. Salut Manon, comment ça va? Prends place. Les Seigneurs des Anneaux, c'est pareil. C'est long. J'ai adoré le. J'ai essayé de regarder le premier là. J'avais regardé avec ma soeur et mon beau-frère, je m'endormais tout le temps devant. Mais c'est incroyable, hein. J'en suis conscient. Mais qu'est-ce que je m'endors devant chaque fois? J'ai essayé de regarder cette école l'année dernière. J'avais une envie de regarder Seigneur des Anneaux parce qu'il y avait la série qui allait pop là, du coup que je n'ai pas regardé. Je me suis encore endormi devant, non mais j'en peux plus. Allez, fuck, tant pis. Mais c'est génial! En plus, moi qui adore les RPG, c'est génial! Mais je les ai tous vus, hein! Mais j'ai plus de souvenirs. Mais je m'en souviens plus. Underworld, t'as sa date! Ma classe l'année dernière avait le thème Harry Potter. Les élèves étaient répartis entre les quatre maisons, c'est génial! C'est trop bien ça! Ouais, ça va et toi Manon? On parle là des souvenirs d'enfance jusqu'à 22h. Et on parle des sagas de films de notre enfance. Est-ce qu'il y en a certains que tu regardais à fond de balle? Moi je regardais quoi comme saga de films de fou là? Saga de malade. Mais oui, Harry Potter ça en faisait partie certainement. Qu'est-ce qu'il y avait comme saga que j'aimais regarder de fou? Retour vers le futur, j'aimais beaucoup, ouais. Retour vers le futur, c'était vraiment très très cool. J'aimais bien. Après, vous allez me trouver barge. Vous allez me trouver hyper barge. Mais moi, quand j'étais jeune, j'adorais les films d'horreur. Mais genre, en fait, j'avais mon père qui était collectionneur aussi de films d'horreur. Il avait des VHS de films d'horreur de partout. Alors, comment vous dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder Freddy Krueger. J'adorais regarder Massacre à la tronçonneuse. J'adorais regarder Halloween. Tout ce qui est Vendredi 13, toutes les grosses sagas de slasher des années 80-90, j'adorais. Donc forcément, moi j'ai baigné avec les films d'horreur. Halloween, je regardais à 12 ans, enfin imaginez n'importe quoi. Mais je regardais avec mes potes, on se faisait peur. J'aimais tellement ça. À plus Kazou, bisous bisous, tu vas bisous russe? Attends, bouge pas. Hop là! À plus! La série des Scream, bah voilà. Allez hop, on parle de films d'horreur, c'est fou comment ça s'enchaîne bien. Ben ouais. Mais tellement. Mais tellement. Mais c'est vrai, hein. Les aliens, les prédateurs, tout ça, je regardais, j'aimais tellement. Mais il y avait des films d'horreur de fou que j'aimais totalement. Hein. J'adorais, hein. Le film de mon enfance, ça n'a rien à voir, mais c'était Cars. Oui, ça n'a rien à voir, effectivement.
Mais ça reste un film. Je regardais les films d'horreur des années 80-90 et j'étais traumatisé par le clown de ça. Oh, mais oui! Alors, clairement, moi j'aimais bien ceux-là. J'aimais bien les anciens. Mais j'aime beaucoup les nouveaux, les remakes. Pas le deuxième, le premier. Du remake, il est vraiment très cool. Le film ça. C'est vrai qu'il fait peur. Ouais, je peux comprendre. De toute façon, le film ça, il a créé des phobies de. Il a créé des phobies de. Des phobiques de clowns, hein. Il y a des gens qui ont peur des clowns là, à part Nao. Est-ce que des gens sont phobiques des clowns? Il doit y en avoir. Hein. Ça, j'ai les DVD des anciens, mais les nouveaux sont incroyablement bien faits. Totalement. Mais totalement. Carrément. Le deuxième, j'aime un peu moins. J'ai trouvé super long. Et puis. Oh. Alors, le premier, je trouve juste incroyable. Ça va, Bibiche? Destination finale. Ah, quelle angoisse! Oh, alors, Destination Finale, c'est concrètement la saga de films qui te donne même pas envie de sortir de chez toi parce que t'as peur de t'as peur d'ouvrir une porte qui va dévisser une vis de ton portail. Le portail va tomber, du coup, ça va toucher un fil électrique, mais comme il a plu, ça va faire un court circuit et toi, tu vas... Oh, évidemment, alors tu sors plus de chez toi quand t'as regardé Destination Finale. Oh, quel enfer. Ouais, ça va super. Prenez place. Oh bah alors, Bibiche. Ah ouais, tellement. Le livre est encore pire. Ouais, c'est ce qui paraît, Estelle. Le livre, ça, ouais. Pas du tout les clowns, mais les zombies à cause de The Walking Dead. Même un maquillage, je pète un câble. Ah, je comprends. Bon, surtout que Walking Dead, ils font bien peur, hein. Seulement. Je suis d'accord avec vous. Ma mère m'a obligé de regarder Le Cercle. Oh my god. Elle t'a obligé, mais elle est complètement crazy. Surtout Le Cercle. Mais quel enfer. La version japonaise, elle est horrible. Elle est horrible. Elle est vraiment horrible, la version japonaise. Quel enfer. Destination finale, tu prends peur sur l'autoroute avec les gros trucs. Oh, mais quel enfer. Mais tellement, Gossy. Mais c'est vrai. À chaque fois qu'on prend l'autoroute, même avec Ricri, qu'on prend l'autoroute et qu'on voit un camion... vachement chargé. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Destination Finale. Genre, dès que t'as un camion... Vous voyez les camions, là, les camions qui ont des voitures de concession derrière, là. Vous voyez très bien ce genre de camion. Vous voyez très bien. On voit les voitures qui sont accrochées, mais qui sont en pente. Vous voyez très bien de quoi je parle. Eh ben, dès qu'ils sont là, ils sont devant, j'ai toujours peur qu'il va se passer une dinguerie, que la voiture, elle va se décrocher, ça va faire... Pfff. Forcément, il faut vite doubler. Oh, quel enfer. Quel enfer. Non, la main, je l'ai pas encore vue. Ah, mais c'est vrai, hein. Le Cercle. Pour Halloween, une collègue est venue au boulot en Sadako et rampée. Oh, super. Ah, c'est l'anniversaire d'Amory. Joyeux anniversaire, Amaury! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Amaury! Joyeux anniversaire! Salut, Balrox! Tu vas bien? Qu'est-ce qu'on parlait déjà? Oui! Oui, totalement, Nao! Mais The Grudge! The Grudge? Ça me faisait tellement peur! Moi, The Grudge, l'ambiance de The Grudge... Ça me prenait avec le... Quel enfer, The Grudge. Oh non, mais totalement. Scream 1, la femme pendue, j'ai hurlé. Ah oui, c'est vrai. Samba! Allez, on y va! Samba! La 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 la. Allez, le confetti! La 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 la. Bon anniversaire, Amaury. Ah, vous l'entendez pas? La 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 la. Vous l'entendez pas? Samba. Bah écoutez, si vous l'entendez pas, bah c'est comme ça, je n'y peux rien. Ah, vous l'entendez point? Bah pourquoi ça fonctionne point? Bon, attendez, on va recommencer. Pourquoi vous entendez pas les petits sambas?
C'est un peu bas? Ah bon? Attendez. Ah, attendez, peut-être que là, ce sera mieux. Attendez, on va recommencer. Vous entendiez la musique de fond ou pas? Vous me direz. Est-ce que vous entendez bien? Ouais? Il y avait juste la samba que vous entendiez pas? Attendez, on va recommencer. Est-ce que vous entendez là? 3, 2, 1. Ah bah voilà, bon, c'est la magie du direct, hein, vous connaissez, vous savez, il y a tellement de trucs à... Il y a tellement de trucs. Mais ça veut dire que du coup, vous entendiez pas le son, la musique de fond? Vous entendiez pas... Vous entendiez quand même la musique de fond? Quel enfer, ces réglages là quand même. Il y a quand même plus de... Il y a plus de saison. Hein. Mais ouais, les films d'horreur, c'était bien sympa quand même. Hein. Moi, je regardais ça aussi, ouais. Bon, encore bon anniversaire en tout cas, Maury. C'était chouette. Ah, vous entendiez très bas. Bah alors, il fallait le dire avant, hein. Le bisounours, vous avez même pas entendu? Mais pourquoi vous le dites pas avant? Mais je suis mort. Mais... Ah oui, attendez, ouais. Ouais. Bah, ouais. Bah, tu sais, Flavien? Oui. Tu sais, le truc que t'as envoyé il y a genre une heure? Ouais. Bah, en fait, on l'a pas entendu. Mais non. Mais si, tu sais, on a oublié de te le dire au fait, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, non, mais c'était il y a une heure. Non, mais ok, pas de soucis. Ouais, on va prendre l'air un peu. Ouais, pas de soucis. N'hésitez pas à le dire, évidemment, c'est pour le confort du live. Je suis mort. Ah, je suis mort. Non, mais t'inquiète, faut le dire. Quel streamer qui doit régler ses sons, j'ai oublié. C'est moi. Bon, vous voulez parler de quoi? On va parler un peu des jeux vidéo? Quand même! Hein? Les petits jeux vidéo, là, de l'enfance. Parce que c'est bien beau de parler de films, de parler de séries, de parler de dessins animés. Mais vous jouez à quoi? C'était quoi vos jeux d'enfance? C'était quoi vos petits jeux, là? C'était quoi? Ah, bah là, voilà, tant mieux si vous entendiez. Si vous entendez mieux, tant mieux. C'était quoi vos petits jeux? Tetris. Oh, j'ai passé du temps sur Tetris. J'ai passé énormément de temps sur Tetris. Adibou. Oh, Adibou. Oh là là. Mais Adibou, bien sûr. Ocarina of Time. Ah, ça me parle, ça. Je connais un petit peu. Pokémon. Alessandra Lederman, c'est vrai. Le jeu avec le... Avec les chevaux. Mr. Nuts, ça me parle aussi, ouais. Bah Lara Croft, ça va revenir, vous avez vu? Vous avez vu, là, Lara Croft? Ils vont revenir, hein, ça a été annoncé au Nintendo Direct. Ça va revenir, hein. Le petit... la petite Tomb Raider, là, la petite Lara Croft. Ça va revenir. Sonic, Mario, Donald Duck, Duck Hunt. Oh ouais, Donald Duck. C'était Duck Hunt. Non, c'était quoi le jeu avec Picsou, là? C'est ça qui me parle, là. Je sais plus c'était quoi le nom du jeu. C'est très bien. Tekken. Oh là, je passais ma vie sur Tekken 3, sur PS1. Ah, j'aimais trop. Zoo Tycoon. Ah oui, t'aimes bien les jeux de gestion, Constance. Ah, c'est trop bien. Reviolo. Rayman. Oh là 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 là, bien sûr. Rayman, c'est tellement bien. Rayman, j'aimais trop. Grand Turismo. Je connaissais quelqu'un, je connaissais le beau-père d'un ami. Il passait sa vie sur Gran Turismo, sur PS1, mais il passait sa vie entière. Il voulait avoir tous les records, les trucs, les courses et tout, je m'en souviens. Mais il était buté sur Gran Turismo, ça m'impressionnait. Alex Kidd, Donkey Kong. Yes. Alex Kidd, ma soeur, elle en est fan. Elle aimait trop. Bah ouais, jeu de gestion, moi j'étais pas trop jeu de gestion à l'époque. Just Dance, évidemment. Attends, je passais. Oh, alors moi, là, moi, j'invitais des potes chez moi. J'invitais des potes à jouer à Just Dance.
On jouait à Just Dance, on jouait au jeu Black Eyed Peas, Michael Jackson. Et on se faisait des soirées à danser, on suait comme des phoques là-dedans dans ma chambre. Ça sentait le fennec. Mais qu'est-ce que c'était cool. Crash Bandicoot. Ah, on va certainement se les faire, les Crash Bandicoot d'ailleurs sur la chaîne. Nintendogs. Oui, bon, bon. Mon chien, il est encore vivant. Pac-Man, évidemment. Pac-Man, c'est un incontournable, hein, Pac-Man. Ça fait toujours plaisir de lancer un Pac-Man. Hein, c'est vrai. Hein. J'ai un oncle à fond sur les Gran Turismo. Ah ouais, non, mais avec le volant, ça. Moi, j'ai toujours voulu essayer les volants. Voir ce que ça donnait dans l'immersion et tout. Salut Vaniron et salut Zelda, comment ça va? Prenez place, installez-vous confortablement. Oh, oh Snake! Allez, Snake sur le téléphone. Mais totalement! Snake. Oui, parti, incroyable. Oui, parti, c'était trop bien. Les Mario Party aussi, hein. Moi, je passais. J'ai eu plusieurs moments de jeux vidéo, mais j'aimais trop. Pour les jeux multi. J'ai beaucoup joué avec mes cousins, mes cousines. On jouait à la Mega Drive. On jouait à Shinobi. On jouait à Sonic. On se passait la manette. Dès qu'on avait perdu une vie, on se passait la manette. On jouait à Golden Axe. On jouait à quoi d'autre? On jouait à plein de jeux sur Mega Drive. C'était fou. On jouait aussi à Nintendo 64. On jouait à Mario Kart. On jouait à plein de trucs. Oh, c'était, j'avais un jeu de billard. C'était cool aussi. Micro Machine, ah j'aimais trop. J'avais pas le jeu à l'époque, mais je regardais ça, ça me donnait trop envie. Ouais, Harry Potter, ouais les premiers ils étaient cool les premiers Harry Potter, ils étaient sympas, ils étaient chouettes. Après c'est passé un peu en mode RPG, ça m'a moins plu. Mais les premiers Harry Potter c'était vraiment cool, très chouette. Merci Constance pour le sondage. Animal Crocro New Leaf. Moi j'ai dosé la version GameCube. New Leaf je l'ai pas dosé. Mais alors la version GameCube. Oh là 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 là. J'en ai passé du temps. Je captais pas tout ce qu'il fallait faire mais. J'en ai passé du temps. Mario Kart. Et on jouait à la vraie vie avec ma soeur. Mais on jouait à la vraie vie? Attendez, comment ça tu jouais à la vraie vie? Comment ça? Moi je faisais des. Dans Mario Kart, tu joues à la vraie vie? Attends, mais j'ai rien capté. Ouais, d'accord. Doom. Toi, tu joues à Doom? C'était bien aussi. Bah oui, Pokémon. Pokémon, évidemment. Hein, mon Pokémon, c'était souvenir d'enfance. Hein, Pokémon Or. Oh, Pokémon Or, Pokémon Argent. Incroyable. Incroyable. Je joue à Pokémon, évidemment. C'était cool. Putain, ça rappelle de bons souvenirs, ça. Hein, ça rappelle de bons souvenirs, hein. Fire Emblem, ah c'est vrai. Mais moi j'ai jamais accroché à Fire Emblem. Tomodachi Life. Je vois ce que c'est. C'est ma mère et mes oncles qui m'ont mis dans les jeux vidéo. Ah t'es tombé dedans quand t'étais petite. Bah moi c'était mes frères et sœurs. Enfin mon frère qui avait une console, ma sœur aussi. J'ai toujours vécu avec des consoles, donc du coup en fait j'ai toujours grandi avec. Comme la télévision, comme les magnétoscopes, etc. Donc ça a toujours été là. Je vois la vraie vie, tu faisais semblant de faire des courses, tu faisais semblant d'aller au travail. Ah, trop bien! Excellent! C'est génial ça! Moi ce que je faisais... C'était sur Mario Kart 64. Ce que je faisais avec mon frère, c'est vous savez la course où il y avait le château de Peach. Cette course-là. On faisait pas la course. On faisait sens inverse, on allait au château de Peach et on se faisait des sortes de cache-cache dans le jardin de Peach. C'était excellent, on rigolait trop. Les tout premiers Sims. Ah, est-ce que vous jouez aux Sims ou pas? Est-ce que c'était votre truc les Sims? Ça n'a jamais été mon truc les Sims. J'ai toujours regardé ça de loin. Je suis très curieux pour les Sims. Qu'est-ce que vous aimiez chez les Sims, ceux qui jouaient là? Ah, vous êtes beaucoup à jouer aux Sims! Ah, mais super! Vous êtes beaucoup!
Mais vous êtes beaucoup. Qu'est-ce qui vous attire? C'était quoi qui vous attirait chez les dans les Sims? C'est quoi que vous aimiez? Et n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de venir me le dire en vocal, n'hésitez point. Ça m'intéresse fortement, ça. Qu'est-ce qui vous intéressait dans les Sims? Moi, ça m'angoissait. Les rares fois que j'avais envie de jouer aux Sims, ça m'angoissait parce que ils avaient toujours envie de faire caca. Après, il fallait leur donner à manger. Après, il fallait qu'ils dorment. Après, il fallait qu'ils aillent au travail. Et après, machin, là, t'avais même pas le temps. Tu leur fais à bouffer. Et après, ils ont envie de chier. Et après, voilà. Et t'as même pas le temps de t'occuper de ta maison. Et moi, je dis, attends, ok. Alors là, ok, toi, t'as envie d'aller là. Toi, là, ok, oui. Ah, ça m'angoissait. Je ne pouvais plus. La créativité, évidemment. Bien sûr. Bah, c'est ça qui fait que, hein. J'ai joué jusqu'au 3, mais en fait, jamais surtout créé des maisons de ouf. Ouais, la créativité aussi. Les Sims, c'était genre être la scénariste et réalisateur de la série drama. Mais what the fuck, mais trop bien. Ah, il y a une certaine créativité. Ah oui, genre vous étiez posé, vous regardiez du coup votre écran de PC et tout. Et vous faisiez des scénarios. Genre, ouais, Bobby... T'étais où? Pourquoi t'es rentré en retard? Je vois genre. L'université, les vampires et les clowns tristes, un vrai délire. Ok, super. Oui, c'est vrai. En plus, il y a plein de, il y a plein d'extensions. Ouais, les Sims, ça m'a toujours... J'ai toujours regardé ça de très loin. Ça m'a toujours... intrigué. Et après, j'ai essayé. Bon, j'ai jamais accroché. Mais ça m'a toujours, toujours intrigué. Jeux.fr sur l'ordi. Oh bah bien sûr. Évidemment. Évidemment. Jeux.fr. Oh bah, moi je jouais à ça et je jouais aussi à un site qui était... Oh, alors je vais peut-être vous débloquer un souvenir. Il y avait un site où tu pouvais jouer à des jeux qui étaient... C'était clairement de l'arnaque. Et en fait tu gagnais des vieux jouets. Tu gagnais des porte-clés, des stylos. C'était quoi ce truc? C'était genre... c'était Prizzi. Voilà, c'est ça le nom, Prizzi. Est-ce que vous avez connu Prizzi? Il te faisait espérer que t'allais gagner un téléphone, un ordinateur, des jeux de fou, les jeux du moment. Prizzi. Et en fait, tu gagnais R. Tu gagnais R de Prizzi. Tu gagnais une peluche à la con. Tu gagnais un stylo. Moi, je gagnais stylo, porte-clés, peluche de merde. Voilà, mais c'était une arnaque, hein, concrètement. C'était clairement une arnaque. En fait, tu gagnais toujours les cadeaux qui venaient de chez eux, leur merch à eux. Donc forcément, t'avais envie de mettre des crédits, tu mettais des crédits, et c'était une arnaque, mais sans nom. Et moi, je mettais pas de crédit, mais j'avais toujours cet espoir de gagner un truc de fou, et tu gagnais jamais. Oh, mais quel enfer, ce truc Prizzi. Je sais même pas si ça existe encore. D'ailleurs, ah, vous en souvenez de Prizzi? Ah non, mais quel enfer. Abo Hôtel. Vous vous souvenez d'Abo Hôtel? Ah, vous vous souvenez d'Abo Hôtel ou pas là? Est-ce que vous vous souvenez d'Abo Hôtel? Abo Hôtel. Ah, c'était quelque chose aussi ça, Abo Hôtel. Abo Hôtel, je passais ma vie. J'ai même eu une copine sur Abo Hôtel. Totalement. Jamais joué à Abo Hôtel? Ah, j'avais une copine, moi. Je sais plus comment elle s'appelait, mais ça a pas duré longtemps, on a cassé. Le jeu Blabla Land, je crois que c'est ça. Un peu style Abo, mais avec des petits monstres et on pouvait bouger. J'ai pas connu. Ça me parle pas du tout. Est-ce que quelqu'un connaît Blabla Land? Ça me parle pas. Je ne connais pas. Bah ouais, Abo Hôtel. Abo Hôtel, c'était comme une sorte de... je vais vraiment synthétiser. C'était comme une sorte d'Animal Crossing en vue au-dessus, hein, en vue aérienne en 2.5, là. C'était vraiment un jeu flash, et vraiment, ton but c'était de faire ton propre appart, t'avais des gens, t'avais une communauté, tu pouvais aller dans différents endroits, t'avais des sortes de hubs, tu vois, des sortes d'endroits, et ça te permettait de rencontrer des gens, de discuter, de faire des potes, de jouer, c'était très sympa en vrai, hein. C'était sympa, mais bon voilà. Pourquoi j'ai une pub maintenant? Parce que tu n'es pas sub, Manon. Voilà, voilà. Ouais, c'était super particulier, Abo Hôtel. Ah oui, non, mais c'était particulier de fou. Le jeu MySin.
Equideo. Alors, je ne connais ni l'un ni l'autre. T'avais pas aimé? Ouais. Ouais, Habbo Hotel, moi j'ai fait quelques temps quand même sur Habbo Hotel. J'ai pas fait très longtemps, mais j'ai fait quelques mois. Je pense que j'ai dû faire genre les vacances. Elle vient d'où, ta peluche Kirby? Elle vient de chez AliExpress, il me semble. AliExpress. Je cherchais une grosse peluche histoire de la caler sur le fauteuil et je l'avais achetée là-bas. Salut Dorian, comment ça va? Et merci d'être nombreux là pour ce petit jet-setting. Ça va? Tu vas bien? Il y avait un jeu un peu malsain, je trouve, c'était Second Life. J'ai jamais entendu parler de Second Life. Vous connaissez, vous, Second Life? Ça me parle pas. C'était quoi, Equideo? Equideo, c'était un truc avec des chevaux? Comme équitation? Ou rien à voir? On dirait que le nom, ça fait parler à un jeu d'équitation. Ouais, ça va super! On papote de nos souvenirs d'enfance, les jeux de notre enfance et tout. C'était chouette. Cooking Mama! Mais oui, Cooking Mama. Ouais, ça se voit. Ça se voit, ça a un nom de chevaux d'équitation. Mortal Kombat. Bon, jeu de combat, moi j'étais à fond sur Street Fighter le 2, évidemment. Avec Ryu et tout. Moi je prenais Vega. Je prenais Vega avec ses griffes là. C'était mon personnage préféré dans Street Fighter. Vous avez joué, vous, à Street Fighter? Est-ce que vous vous mettiez des fights dans la gueule là? Est-ce que vous vous mettiez des grosses fights dans la gueule? Merci beaucoup! Merci pour le sub! Merci, merci! C'est adorable! C'est gentil, merci à toi, Manu. Une vie virtuelle, tu pouvais tout faire, même voler dans les airs? Ah ouais? Ah non, j'ai pas connu. Salut Malus! Tu vas bien? Et vous avez connu Theme Park? Theme Hospital? Alors j'ai pas connu, mais enfin, j'ai pas joué, mais j'ai connu de nom. Bah là, il y a les derniers là qui sont sortis. C'était pas les mêmes créateurs là. Il y a certains jeux qui sont sortis il y a pas longtemps là, je sais plus le nom. Street Fighter me frustrait parce que j'arrivais pas à faire des combos. Ah. Moi j'étais genre team, j'appuie sur tous les boutons. Mon frère il me met à la mort. Oh, lui il prenait Balrog. Balrog et il prenait Monsieur Bison. Oh, il me défonçait la gueule. Oh, il me défonçait la gueule. Two Point Campus. Bah alors, pourquoi ça va pas, Malus? Qu'est-ce qui se passe? Crash Team Racing. Ouais, c'était cool aussi, ouais. Two Point Campus, voilà, c'est ça. Cricri, il a essayé. Je crois qu'il a pas adhéré plus que ça. Mais je crois qu'il jouait. Après, c'est le genre de jeu que tu joues sur PC avec une souris et tout. Parce que. Avec la manette, je crois qu'il avait essayé sur le Game Pass. Le jeu de gestion, il faut une souris. Hein. Ah ouais, tellement. 15 ans avec ma meilleure amie, c'est vrai, hein, trop bien. Bah ouais, Street Fighter, pareil. Street Fighter et Tekken 3. Tekken 3. Oh, j'aimais trop. Tekken 3, j'ai une préférence pour Tekken. Enfin, le 3, vraiment, c'était un truc de fou. J'aimais bien Dalcim et la coupe de Guile. Ah oui, tellement. Tellement incroyable. Moi, le 3, c'est mon préféré. Mon préféré, c'est le Randalay. Ah, j'aimais trop le 3, il était trop bien. Moi, on est d'accord, c'est le meilleur. C'était tellement bien. C'était chouette. J'ai hâte aussi du 8, ouais. J'ai hâte. J'ai un peu skippé là le Street Fighter 6, je ne l'ai pas acheté. En fait, Street Fighter, depuis le 2, bah, ça m'intéresse plus vraiment. Et là, j'avoue que le Tekken me tente bien. Soul Calibur, j'aimais trop aussi. Warang, c'est mon préféré! C'est mon préféré dans Tekken, Warang. C'est mon préféré. C'est mon main. J'aime trop. Mais pareil! Tu parles de Eddie, là. Mais c'est fou, ça, Ghosty, on est pareil. Eddie! Eddie, évidemment, pareil, c'était mon personnage préféré. J'adore. Pareil, pareil. Je me suis arrêté au 3. Moi, je me suis arrêté au 2. Je me suis arrêté au 2, Street Fighter. Mais je vous jure, mes deux préférés, c'est Warang et Eddie qui fait de la capoeira. Voilà. Non, non, mais je te jure, hein, comme quoi il y a des coïncidences, hein. C'est marrant tout ça.
Soul Calibur. Moi, c'était le 2. Soul Calibur 2. Bon, bref. Soul Calibur 2 sur GameCube avec Link, évidemment. Évidemment, je prenais Link, évidemment. Dès que je vois un Link dans un jeu, je prends Link. Hein, ah, bah, voilà. Girl. Salut Galiums, tu vas bien? Comment ça va? Évidemment, je prenais Link, évidemment. Ouais, Eddie, il était trop bien. Il dansait tout le temps, là, il faisait des coups de. J'aimais trop. Il était incroyable. J'ai mes crocs. Comment ça va, Galium? Se prend place. On parle de nos jeux de l'enfance. Des jeux qu'on faisait à l'époque. Moi, je dosais également les James Bond. Je dosais Nightfire. Je jouais avec mes potes à Smash Bros. Melee. Évidemment. Bah, voilà. Et voilà. À Smash Bros. Je jouais avec mes potes. On se retrouvait très souvent l'après-midi. On jouait à Mario Kart Double Dash. Qui était juste trop bien. On jouait à James Bond. On jouait à ouais, Mario Kart, on jouait à quoi d'autre? Au Mario Party, évidemment! Mario Party, c'était tellement bien. Comment il s'appelait le jeu de danse sur PS1 qui avait une tête de chien? Je l'ai en plus. Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Putain, c'est quoi le nom? C'est quoi? C'est quoi Paratumpa? Un truc comme ça? Attends, c'est quoi le jeu? Comment il s'appelle? C'est quoi le jeu déjà? Putain, puis je vois rien. Il y a les reflets de mes lights, je vois que dalle. Alors je l'ai, mais je vois rien. Il y a le reflet, je vois que dalle. Ouais, ça va bien. Comment il s'appelait ce jeu là d'ailleurs sur PS1 avec la tête de chien. Ouais, on parle de plein de trucs. On parle de. Bah ouais, moi je joue à GoldenEye, pareil 64. Je joue à GoldenEye 64 avec mes frères. Oh là là, mon frère il trichait, il prenait. Je sais plus le nom de ce personnage. Il prenait le petit avec le chapeau. Oh, il te tue. Parapaz de rappeur, voilà, merci. Mais je le trouve pas dans ma collection. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est celui-là? Je trouve pas. Bon, je vois rien avec les lights. Merci en tout cas d'avoir été chercher. Merci, merci. J'ai deux anecdotes sur les jeux de combat. Je peux écrire. Bah vas-y, écris si tu veux, hein, mais ce serait mieux que tu viennes en vocal du coup. Le jeu de mon enfance c'était surtout les Zelda, Ocarina et Majora's Mask, évidemment. Évidemment. Mais moi aussi. Alors clairement, moi, Zelda Ocarina of Time, ça a été l'un des jeux que. C'est le premier jeu que j'ai lancé sur Nintendo 64. C'est le premier que j'ai fait. En fait, dès que j'ai eu la Nintendo 64, c'est le premier truc que j'ai lancé. Et Majora's Mask, c'était drôle. Bah, en fait, mon frère ne savait pas quoi. Il ne savait pas quel jeu il voulait pour son anniversaire. Et ma mère lui avait dit, bah, écoute, je veux t'offrir un jeu pour la Nintendo 64 pour ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux? Il n'avait pas d'idée. Et c'est moi qui lui ai soufflé. Je lui ai soufflé, du coup, l'idée, voilà, de Majora's Mask. Et au final, bah, voilà, j'ai eu le jeu que je voulais et c'était pour son anniversaire. J'avais la démo jouable que je dosais. Mais oui, trop cool. Ouais, pas de soucis. Je vais accueillir Océane, no problème. Elle va nous raconter une petite anecdote. C'est cool. J'ai appris à lire sur Ocarina of Time, mais évidemment. Moi, j'ai appris la vie. J'ai appris à vivre. J'ai appris à casser j'ai appris à casser des ponts. Également. Ça va, Hugo? Mon jeu de l'enfance. Evie Twins de Cyprien Chronicles. Je ne connais pas du tout. Le dernier jeu du studio. Ok, je ne connais pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Ça va bien, et toi Hugo, prends place, installe-toi. Le meilleur temple. J'ai pas eu le temps de lire Malius. Malius, alors c'est pas forcément l'endroit adapté pour le dire. Mais si t'as besoin, parle-en sur le Discord. C'est peut-être pas le lieu idéal. Mais si t'as vraiment besoin, viens sur le Discord. Le meilleur temple Ocarina de la forêt, évidemment. Le temple de la forêt, c'est le meilleur temple. Totalement. Re-Eric. Je me suis cassé le pied. Aïe. Mais décidément, mais Hugo, tu t'es pas cassé il y a pas longtemps un truc, là? Je capte pas, là. Tu te casses toujours des trucs. Temple de l'eau. Aïe, 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 aïe. Le temple de l'eau, c'est quelque chose. Le temple de l'eau, oui. C'est un trauma d'enfance.
un trauma. Salut Nénès. Bah oui, non mais c'est ça, c'était un trauma. Moi le temple de l'eau, ça a toujours été un traumatisme. Je me suis dit mais what the fuck. J'ai passé du temps et du temps sur le temple de l'eau. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce que sinon on peut en parler jusqu'à minuit de Ocarina of Time avec moi. Vous connaissez, c'est vous. Si vous commencez à me lancer dessus, on n'a pas fini. J'adore. Prenez place tous ceux qui arrivent. Du coup, hein, pour rappel, on testera après FNAF 3 à la place de The Beast Inside. Parce que du coup, il fonctionne pas très bien The Beast Inside. Ok. Ouais, c'est un petit jeu indé. C'est un petit jeu indé. Totalement. C'est beau. C'est chouette. Faut que c'est qui m'attend. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on y va dans une petite demi-heure, hein. Si jamais des gens veulent passer, normalement, Océane va arriver pour nous raconter une petite anecdote, voilà. Ouais, je vais avoir... J'ai hâte, ouais. Oh, ouais, totalement, ouais. Oh. Organon, mon meilleur boss, je pense que c'est le boss du... je pense que c'est les Twins. Twin Rova, là, les jumelles. Je pense que c'est mon boss préféré. J'ai fait Ocarina of Time, mais j'ai jamais osé faire Majora's Mask. Il est incroyable. Il est très, très, très... il est très différent, mais il est incroyable. Franchement. Il est très différent. Il est très dur. Hein. Enfin, il est pas très dur, mais il est assez... ça n'a rien à voir. Hein. Il est complètement différent. Quand j'étais petite, j'adorais regarder mon père jouer à Lara Croft. Mais moi, ça m'a fasciné de fou. Pareil, Lara Croft. Ça m'a fasciné de fou. Carrément. Moi, je regardais. Et puis, donc, Lara Croft, ça m'a toujours emballé. Et il y a Océane qui nous a rejoint pour la Radio Flavien. Bonsoir, Océane. Est-ce que tu nous entends? Ah, on va essayer de la capter. Océane, est-ce que tu nous entends? Allô, est-ce que vous entendez Océane? Océane. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'entends pas. Est-ce que vous l'entendez, vous? J'entends pas Océane. Je ne l'entends pas. À toutes. Océane, on t'entend pas. Au cas où, essaie de te déconnecter et de te reconnecter. Déconnecte-toi. Reconnecte-toi. Au moins, elle est là. Regardez, il y a Océane. Salut Océane. Ça va, toi? Tu vas bien? Elle est belle, hein? Eh, joli chat. On adore. C'est beau. Ça va, Océane? Bon, peut-être qu'elle va réussir à nous... Elle nous entend. Ça va, Blacarou? Ah oui, est-ce que t'as activé ton micro, Océane? Bon, écoute. Océane, je vais essayer de te déconnecter. Je vais te déconnecter. Essaie de revenir pour voir. On va voir. Voilà. Essaie de revenir, Océane. Bon. Ouais, mais c'est les aléas du direct, hein. Essaie de revenir, Océane. Reviens parmi nous. Ah, Océane? Bonsoir, Océane. Ok. Ouais. Merci, très belle. En tout cas, ça fait super plaisir d'avoir Océane. Et ça fait plaisir d'avoir... voilà. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des interventions comme ça, comme celle-ci. Ça fait plaisir. Une très belle anecdote, en tout cas. Hein? Mais attendez, il faut que je déconnecte. Il faut que je déconnecte. Je vais me déconnecter. Je vais supprimer. Attendez, je vais rejoindre. On va voir. Si, j'étais sur le VIP, Nao, si j'étais en discret. Attendez. Attendez, là, j'ai pas de prout. Attendez, je vais me remettre. Je suis en VIP, hein. Normalement, tu vas me voir, Océane. Attention, attention. Ah, Océane! Oui. Ah, salut. Bah voilà. Eh, j'étais sur le salon, mais je te voyais pas en connecté. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Oui, ça y est, enfin, la magie a opéré. Alors, tu voulais nous raconter une petite anecdote? Oui, j'en ai deux petites, parce que de toute façon, fais-toi plaisir. Rapide, parce qu'avec la chance que j'ai, le bébé, il va se réveiller. Oula, alors on se dépêche.
Donc du coup, ouais, j'ai trois frères et Ouais. un grand et deux petits. Et quand j'étais petite, je jouais avec eux du coup à Tekken. Ouais. Et en fait, ils me détestaient parce que je n'étais pas capable de tenir la manette comme tout le monde la tient. Je sais que vous allez me moquer, mais je la tenais, vous savez, sur le côté. Il y a un truc improbable. Mes deux hanches, elle était vraiment sur le côté. Je tenais n'importe comment la manette. OK. Et ça les énervait, mais ça les énervait parce qu'en plus, le pire, c'est que j'arrivais à les battre. Ah, mais Et attends, attends, tu tenais la manette genre sur le teco et ouais. t'arrivais quand même en appuyant sur n'importe quoi, t'arrivais à les battre. C'est ça. Ok, Et en fait, l'insolence. voilà, exactement. Et ils voulaient plus jouer avec moi, du coup. Et à part Forcément. quand il y avait des boss, je crois qu'il y avait un mode histoire, je sais plus, mais. Et à des moments, il y Oui, avait c'est des vrai. boss qui arrivaient. Voilà, et ils n'arrivaient pas à les battre. Et du coup, ils m'appelaient tout le temps. Ils me disaient, ah, Théa, tu sais que je t'aime bien, t'es ma soeur préférée. Ils ont tout à rire. Non mais je suis mort. Mais oui, non mais le chat nous dit comment c'est possible de jouer avec la main sur le teco. Non mais totalement, ça n'a pas de sens. Ah, c'était n'importe quoi, j'étais Mais énervée. c'est la maîtrise de Séane, hein, écoutez. C'est ça, c'était ma maîtrise à Et l'époque. Et puis, c'était quel Tekken que tu jouais plus je jeune? ne me rappelle plus, je crois que c'était sur la PS2, Ok, peut-être. Tekken 4 certainement. Ouais, je sais, parce que moi, j'ai pas. Enfin, mon grand frère a connu la PS1. Moi, je suis 95, donc. Ah Je oui! pense que Ouais, ça doit être ça. Ouais, Ouais, je pense. ça peut être PS2, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'était la PS2, il me semble, ou peut-être PS3. Et tu prenais qui comme personnage dans Oh Tekken? là là. Tu te Oh, souviens? je m'en rappelle. Ah non, je m'en rappelle Pas plus du trop. tout. Tu Moi, prenais une une fille. fille? Une fille? Ouais, Une une fille obligatoire. blondasse? Non, moi, j'étais plutôt Team Brune. Petite brune, ça pourrait être qui en personnage Ça te revient, tu me le diras sur le Discord, le personnage. Ouais, j'essaierai Tu d'aller me voir diras. sur Internet les persos. Et bien plus tard, j'avais bien grandi, j'étais majeure à cette Waouh, époque-là. bravo! Et j'arrive sur Valence, et puis bah, avec trois frères, j'ai toujours été un peu un garçon manqué. Et quand je suis arrivée bah, du coup sur Valence, j'y suis plus, c'est pour ça que je le dis. J'étais très féminine, et Ok. puis bah, mais toujours soirée avec des potes et tout, que des mecs tout le temps. Et Bonne là, il me dit, soirée, oh, ouais. bah, c'est ça, et puis c'était soirée console, comme d'habitude, forcément. Et il me dit, oh, Océane et tout. Tu joues pas, t'es une fille. Je dis ok. Et puis au bout de 2 heures, j'en avais marre. Je dis, oh, tiens, je peux essayer pour une fois ce jeu. Vraiment la chipie de base, quoi. Et il me dit oui. Et puis je fais un cul sec du rhum dès que tu me gagnes. Je dis Avec ok. modération, évidemment, hein, avec modération, bien Oui, sûr. excusez-moi. Ouais, Des de l'eau. bêtises de Le jeune, mais ça rhum, n'était c'est de pas l'eau. offert. C'est de l'eau fraîche. Voilà, Bien exactement. sûr, Océane. On faisait un supplément beaucoup d'eau. Et du coup, je dis, ok, bah, si tu veux, je dis, moi, j'ai jamais bu d'alcool, parce que je trouve que c'est nul, mais Oui. chacun son truc. Et je dis, oui, mais c'est la première fois que je joue et tout. Et sauf que, bah, en fait, j'ai menti, et mon perso, du coup, chez Mortal Kombat, c'est Devora. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois très bien. Donc, voilà. Et là, le pauvre. Oh là là, le Il a pauvre. pris cher. Ah, il a pris très cher. En Le plus, pauvre, je crois que. se faire battre par une fille. En plus, ça Ben, c'est doit. ça. T'as le côté, t'as l'ego du gars qui se dit, oh putain, en plus. Alors, de un, j'ai perdu. De deux, il y a des gens qui ont regardé. Et de trois, forcément, une fille ne sait pas aussi jouer aussi bien qu'un garçon, apparemment, C'est ça. Et ben, dans moi, la tête des gens. bon, je sais pas pourquoi, hein, mais en plus, il faisait trop le beau. Il disait, ah ben, je vais faire un cul sec à chaque fois. De toute façon, tu vas jamais y arriver. Et puis moi, du coup, ben, j'étais rentrée dans son jeu. Je dis, tu veux me prendre pour une idiote? Vas-y, avec grand plaisir. Ah bah voilà! Eh bah bien fait pour toi! C'était rigolo Et bah ça! du coup, le pauvre. Mais du coup, je comprends plus, il veut plus jouer avec moi, c'est dommage. Oui, mais après tu sais, voilà, c'est. Comme le dit QRM, c'est mérité. Déjà, voilà, c'est C'est ça, mérité. Tu c'est leur as ça. mis une bonne branlée, tant mieux pour eux. Un homme à terre, exactement! Ouais, exactement! Un homme à terre! Et puis oui! Bah oui, les gars! Une fille joue aux jeux vidéo, une fille peut vous mettre à l'amende, une fille peut vous Bah mettre. c'est ça, Évidemment, bien j'ai sûr, comme tout le monde. Oui, et puis j'ai trois frères, donc le seul moment pour passer le temps avec mes frères, c'était quoi? Soit jouer à Bah. la voiture, Et soit surtout, jouer aux jeux ça. vidéo. Et ça n'a pas de genre le jeu vidéo, donc peu importe, hein, femme, homme, tabouret, peu importe, enfin, vous avez le droit de jouer aux jeux vidéo, il n'y a aucun souci, quoi. Salut, Bah Algar! c'est ça.
Évidemment. C'est ça, moi, ma passion des jeux vidéo vient de ma maman, qui, à l'époque de la PS1, il fallait une carte pour enregistrer les Oui, parties qu'elle n'avait oui. pas. Ouais. Du coup, elle laissait la console allumée H24 sur Metal of Honor Ah pour ouais. pouvoir finir le jeu. Donc, pour vous dire Oui, l'exemple parce que que j'ai eu, quoi. t'avais pas la carte mémoire, c'est ça, t'avais pas la carte mémoire sur... Exactement. Ouais. Ah oui, donc t'étais obligé de laisser la console allumée, sinon tu recommençais tout. Oh, à l'enfer. Ah. À Oh, l'enfer. l'enfer. Ah Alors ça, oui. l'enfer. Ah, je suis Et oui, d'accord. donc voilà. Ah ouais, on est d'accord, Galum, ça. La carte mémoire, moi j'ai une anecdote à peu près pareille, c'était... Je laissais tourner ma GameCube, en fait, pour Smash Bros. Si tu voulais débloquer, je crois, Mewtwo, il fallait laisser ta console tourner, je crois, 24 heures. Et j'avais laissé... Voilà. Ouais. Alors, laisse tomber pour EDF déjà, pour l'électricité, bonjour. Donc, j'ai laissé ma GameCube allumée, je l'avais mis dans un placard, le lendemain, je me réveillais, je regardais la nuit pour savoir si elle n'était pas éteinte, parce que si ma mère n'avait pas débranché quoi que ce soit. Et Et là quand là. je me réveillais, je faisais des missions, je regardais c'est bon, t'allumer, c'est bon, voilà. Et le lendemain, bah voilà, débloqué, il fallait laisser tourner la console. Ah non, Voilà. mais c'était une horreur, ces trucs, c'était une horreur. C'est rigolo. Bah, elle était très chouette en tout cas, ton anecdote. Merci à Bon, toi pour ce petit moment, Océane. Et bébé, c'est pas réveillé? non, c'est bon, j'ai de la chance. Bon. Youhou. Et super. Comme quoi, ça m'a fait bien plaisir. Bah, tu es ma première invitée de ce nouveau truc sur le judge setting. C'était très cool. Et je te fais des gros Ah, merci. bisous. Je vais Allez. raccrocher. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Gros bisous, Ah, Océane. Bye bisous. bye. Bye. Bye Eh ben, bye. c'était très sympa, très sympa, hein? C'était sympa. Bon, ça a déconné au début. Parce que je la voyais en muet. Mais écoutez, là je crois que c'est bon, ça va bien fonctionner. Ça va bien? Ah ouais. Mais pareil, moi aussi on me débranchait les consoles. On me débranchait les trucs, on me débranchait totalement. On me débranchait les trucs. Ma mère qui passait avec l'aspirateur. Elle passait avec l'aspirateur, elle débranchait la prise. T'as été au top, Océane. Bon, il y avait un petit couac. Je t'entendais pas au début. Mais c'était avec un petit réglage parce que j'étais en discret. Donc du coup, je sais qu'il faut que je me mette juste en pas dérangé. Je le saurai pour les prochaines. Merci, t'as assuré en tout cas, Océane. Salut, Chnico. Ok, alors Valentin va venir. Allez hop, Valentin, viens me raconter ta petite anecdote, là, de l'enfance. C'était super, hein, pour une première. On peut dire bravo à Océane, hein, pour une première. C'est pas évident de passer devant des gens en vocal. Merci beaucoup pour le follow, Mélanite YouTube. Eh ben merci à toi, welcome. C'est pas évident du tout de passer sur un vocal. Donc bravo à elle. Bravo, bravo, c'est un exercice pas évident. Mes parents étaient excédés avec Prophet. Merci à toi pour le follow, comment ça va, Mélanite? Ouais, c'est pas évident, hein. C'est le prout qui m'a fait venir. Mais c'est vrai! Dès qu'il y a eu le prout, ça a fonctionné! Comme quoi, le prout, il y arrive. Hein. Il arrive à résoudre des trucs, c'est beau. Et merci, on peut dire à Nao aussi merci, hein, qui gère les entrées et les sorties. C'est rigolo, si vous aimez bien ce concept, on s'en refera de temps en temps. Hein. Bah, t'as assuré, Océane! Ça s'est pas entendu du tout que t'étais gênée. T'inquiète, t'as assuré comme une chef. C'était super cool. Ouais, ça va super, ça va au top. Non, il n'y a pas de commande prout. Non, 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 il n'y a pas de commande prout. Encore heureux. Et on laisse la parole à Valentin. Comment ça va, Valentin? Tu vas bien? Hello. Ah, voilà. Est-ce que Tu ça va, m'entends? Valentin? Oui, je t'entends super. Et toi, tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Est-ce que tu m'entends? Valentin! Il m'entend ou pas? Oui, je vous entends. Ah, Comme je t'avais mis sur ma télé, c'est voilà! pour ça, quoi. J'avais double son. Ah, est-ce que tu vas bien, Valentin? Ouais, nickel. Écoute, j'ai deux anecdotes à raconter. Bah, fais-toi plaisir! Laquelle? Je pense par Zelda, je pense. Mais t'es chez toi, Valentin. Tu racontes ce que tu veux. Moi, je suis là pour t'écouter. Vas-y, raconte ce que tu veux. Vas-y, je vais raconter. Alors, c'est bien sûr le premier Zelda que j'ai découvert. Ça, c'est Ouais. grâce à un proche. C'est Ouais. Ocarina of Time. Ça, Ah, déjà, la base. il a l'air sympa, ouais. Oui, je pense que tu connais bien ce jeu. Ouais. Et à quel point que j'ai tellement accroché, je l'ai terminé 5 fois d'affilée. Ah bon? Ouais, et même mon proche m'a fait la réflexion, tu veux pas changer de jeu et tout, et T'as donc la dernière fois quand j'ai saigné fini. la cartouche. Ah oui, c'est carrément, j'ai eu tout, et laisse tomber. Ah, mais Et à après, quoi?
Après, c'est mérité, hein, je veux dire, c'est tellement un jeu que tu fais encore et encore et encore et encore. Enfin, t'as grave raison. Bah oui, c'est littéralement ça. Et après, bien sûr, la suite, ça a été avec Majora's Mask et tout, mais. Ouais, Ouais. je l'ai saigné que 5 fois. Ouais, Et du mais coup, bah. c'est génial. Et t'as préféré Ocarina of Time ou Majora's Mask? Là, largement Ocarina of Time. Ocarina of Majora's Time? Mask, j'ai eu du mal parce qu'il y avait des quêtes, tu vois. C'est difficile. Ouais, Un peu plus compliqué. c'est celle-ci qui me cassait la tête à chaque fois, je finissais par m'arracher les cheveux. Je vois très bien. Donc voilà. Et Trop la bien, en tout deuxième cas, 5 fois, c'est curiosité. beaucoup, hein. C'est beaucoup, 5 fois. Ah, et la deuxième, écoute, la deuxième anecdote que j'avais, tu vois, deux cousins, pareil que toi et moi, ils avaient 20 ans. On Ouais, jouait, tu ouais. Oui, vois. c'est bien, merci. Je t'apprécie, Valentin, c'est cool. Tu reviendras, toi, dans mes petites radios libres. Et tu vois, on aimait beaucoup jouer à tous les Pokémon, que ça soit Platine, enfin les versions centristes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, les principaux. Voilà, Ouais. où t'avais tous les Pokémon. Sauf que Ouais. moi, bah, comme j'avais dit avec Nao, j'avais la version ROM hack. Tu vois ce que je veux dire? Oh! Oh là 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 là! Valentin vient de dire qu'il passe pirate! Pirate! Eh ben c'est du beau, Valentin, c'est du beau! Vas-y, continue. Écoute, il y avait la moula à ce moment-là. Je comprends, mais on a tous fait pareil, on va pas te juger. Bah, je pense que si, avec la suite. Bah, sauf Vas-y. que moi, après, je mettais les petits codes. Et quand je jouais avec mes cousins, bah, j'avais tous les Pokémon et tous les objets. Et autant d'aujourd'hui, ils n'ont jamais su comprendre pourquoi j'avais tous les Pokémon et tous Ok, les objets. donc là on va juger du coup. Donc, Là on va juger. voilà, c'est comme ça que j'ai réussi. Moi aussi j'avais ça. T'avais aussi ça toi? J'avais la Game Boy et j'avais un l'Action Replay, ça s'appelait. Oui, oui. C'était ça que t'avais? Voilà. Non, moi c'était sur la ROMROC, sur la Ah DS. toi c'était directement sur la DS. Bah moi j'avais. Alors Voilà. moi c'était dans l'ancien temps, un peu plus ancien. En fait Mais il je y l'avais sur avait. Mario 64. Ah, en fait moi j'avais vraiment la Game Boy Advance où t'avais un appareil que tu connectais dans la Game Boy Advance et que tu mettais ensuite ta cartouche dans l'appareil, ça faisait un truc, c'était un gros bordel, ça te faisait un gros bloc, quoi, ça s'appelait un Action Replay et ça te permettait d'avoir des super bonbons à l'infini. Donc je faisais ça à fond de balle, tous mes Pokémon niveau 100, tu roulais sur le jeu, tu te la pétais à l'école et wouh, t'étais trop content. Ouais, je vois, je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai eu pour la version jaune, laisse tomber. Ah Il y avait un voilà. truc à tout qui sortait de la salle de muscu. Voilà, donc on peut juger le chat, hein, le comportement de Moi, Valentin. je les vois, ils sont en train de se. Ouais, Je il le vois sur juge. mon ordi. Mais oui, mais c'est horrible, c'est pas beau. C'est pas beau, Valentin. Franchement, on ne craque pas les jeux comme ça. C'est pas beau. Écoute, j'avais du gaz dans la Mais tête, si tu vois ce que je veux dire. on l'a tous fait, hein, on l'a tous fait. Les R4 sur la DS, mais qui ne l'a pas fait? Les R4, les puces, les trucs. On l'a tous fait, oh, quand Ouais, même. Océane aussi a dit pareil. Mais Ah, oui, mais maintenant, ça m'étonne Océane, pas c'est toujours Océane. d'Océane. Voilà, exactement. Exactement, ça m'étonne pas d'Océane. Le même échelle. Le jugement est fort. Bah, En tout cas, voilà. c'était cool cette petite anecdote et ça m'a fait bien plaisir que tu sois passé, Valentin, pour Ah, merci à toi, en cette tout cas. Non. première. Ça t'a plu ce petit moment court mais intense? Oui, franchement, beaucoup, franchement. Ah, bah tu reviendras. Si t'as des petites Oui. anecdotes à passer de temps en temps, on s'en refera. T'inquiète pas, là je vois que ça plaît Avec grand beaucoup. Donc plaisir, Flavien. tu reviens quand tu veux. Ça marche? Merci à toi. Ouais. Gros gros bisous, à Gros bientôt. bisous à tous. Bye. Ah, il est sympa celui-là, hein. Très sympa, hein. Oh, la R4, évidemment. Est-ce que quelqu'un veut passer? Est-ce que quelqu'un... On peut dire bravo à Valentin également d'être passé sur le vocal. Ah, bravo Valentin. Parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas un exercice évident de passer en vocal devant tout le monde. Donc bravo. Bravo Valentin. Est-ce que quelqu'un d'autre veut passer dans la radio Flavien pour me raconter une petite anecdote? Un truc mignon, voilà, que vous avez envie de me raconter. Un truc avant qu'on aille faire du FNAF, il reste 20 minutes. On va faire du FNAF 3, après on va aller chier dans la culotte. Donc bon, voilà. N'hésitez point. C'est pas forcément une histoire drôle, hein. Vous me racontez un bon souvenir, ça peut être mignon. Comme vous voulez, hein. Ah bah Kevinny, let's go, viens. Allez hop. Allez, ça va. Kevinny, si tu veux venir, n'hésitez pas à me mentionner. Vous mettez mon pseudo, vous mentionnez, puis vous viendrez. Ça vous plaît ce concept ou pas? Ça vous plaît que je prenne les gens en vocal et qu'on les écoute un peu? Je trouve ça super. J'aime bien mettre en avant les gens et je trouve ça très original. C'est très sympa, ça fait plaisir de mettre en avant les... Ouais, t'as géré Valentin! Valentin, c'était cool. Mais c'est ça! C'est pas évident, hein. C'est pas un exercice évident, hein. C'est cool, hein.
Ah bah tant mieux, on le refera. On le refera. Et bonsoir Kevini qui nous rejoint dans la radio Flavia. Comment ça Kevini? Ça va, comment ça va tout le monde? Bah ça va bien, unité Kevini, unité. Unité, exactement. Comment ça va? Alors t'as la forme? Ouais, ça va. Bon. Franchement ça va, après oui. L'anecdote peut-être en aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Je vous mets dans l'ambiance. Vas-y, vas-y. Alors je devais avoir 8 ans. D'accord. Et j'ai une petite sœur avec qui nous avons 4 ans de différence. Ce qui fait qu'elle avait 4 ans à l'époque. Ok, on se croirait dans Layton, tout va bien. Quel âge a le père? Et cette petite sœur était très envieuse de son grand frère. D'accord. Qui avait eu une DS, la toute première. Ok, il raconte ça bien. Attends, on a investi dans la anecdote. On est à fond là, Kevin, sache-le. Il s'avérait que le frère jouait tranquillement dans sa chambre sur sa Nintendo DS, pardon, mm-hmm. à Nintendogs. Nintendogs, oui. La petite sœur, étant envieuse, attrape l'écran supérieur de la console et la tire vers elle. Oula, oulala, oulala. Le grand frère, ne voulant pas lâcher la console, tire l'écran du bas vers lui. Évidemment, évidemment, ça tire, ça tire, ça tire, c'est comme le jeu de la corde, quoi, chacun tire de son exactement. Côté. Exactement. Voilà. Ainsi s'ensuit des mouvements, et puis, rac. Zbra. Et ça s'est cassé en deux. L'écran supérieur s'est séparé de l'écran inférieur. Ouais, super, ça te fait une console portable, ça te fait une Game Boy Advance. Exactement, ouais, et j'ai bon. Toujours les deux bouts dans mon tiroir. Merci Martin, j'ai toujours cette antiquité. Ah, mais tu sais que du coup, tu peux quand même utiliser la partie du bas pour jouer au jeu Game Boy Advance. T'es au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant. Eh ben oui, parce que tu sais, alors si t'as la première DS, c'est la DS, hein, on est d'accord. Hein, ouais, la toute première DS. Eh ben normalement, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'on va me reprendre sur le chat. Normalement, la partie du bas te permet de jouer au jeu Game Boy Advance. Et donc du coup, si t'as pas la partie du haut et que la partie du bas fonctionne encore, t'as juste à mettre la cartouche de Game Boy Advance et ça te sert de Game Boy, enfin de, ouais, ça te sert de Game Boy Advance parce que l'écran du bas fonctionne encore. Bah, honte à moi, ça ne marchait pas. Ah bah merde. Mais voilà, les voilà. Fils étant rompus, rien ne fonctionnait. Alors, les liens de la DS ont été rompus, mais est-ce que les liens fraternels ont été rompus également? Non. Voilà, ça va, tu l'as pardonné. Tu as pardonné. Oui, bon, depuis le temps, j'espère. Ah, tu sais, alors tu sais, Kevini, moi, on me raconte des anecdotes sur YouTube parce que j'ai un format sur YouTube où je lis les anecdotes qu'on m'envoie par mail. Mm-hmm. Des trucs parfois très chauds, à passe mytho. Parfois, ça reste. Il y a des histoires quand même qui sont passées il y a 20 ans. Les gens en ont encore à travers la gorge. Hein, donc, c'est pour ça que je pose. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait la fin de l'anecdote. Oula! Parce que, attention, rebondissement. Wouh. Il s'avérait qu'il fallait racheter une nouvelle console. Donc, okay. On m'a racheté une nouvelle Nintendo DS. Très bien. Qui plus tard fut remplacée par une autre Nintendo DS XL. Ok, une plus grande. Une plus grande. Mm-hmm. Ainsi, ma petite sœur a hérité de mon ancienne DS. Celle cassée, du coup? Non, c'est la okay. remplaçante okay, de la remplaçante de la salle cassée, parce que j'allais dire voilà l'héritage, quoi. Non. Ah, ok. Et du coup, il s'avérait que nous jouions souvent ensemble avec les connexions sans fil, ainsi de suite. Ok. Et une fois, ma sœur mangeait des espèces de graines. Je sais plus c'était quoi le nom, mais elle mangeait des graines. Les graines de tournesol? Ouais, c'était des grosses graines quand même. Okay. Ça pouvait se coincer là où non mettait la cartouche des jeux. What the fuck, ok. Ma sœur ayant malencontreusement mis une de ces graines là-dedans mais et ayant retiré... Mais ta sœur, c'est pas possible, ta sœur, elle fait que des conneries. Bon, c'était quand même quelques années plus tard, mais là, on va voir le QI de la personne. Elle décida donc, après avoir retiré la graine, de nettoyer le trou où nous mettons les jeux, en rinçant la Nintendo DS à l'eau. Sans surprise, elle courut vers moi en disant « Ma DS ne fonctionne plus. » Bah, sans blague. Dans l'eau, sans blague. Allez, et allez. Je lui dis « Mais qu'as-tu fait ?» Elle m'a fait « Je l'ai nettoyé avec de l'eau. » s'écria-t-elle. Bah oui, vas-y, on fout dans l'eau et puis on va enlever tout le sel qu'il y a dans la console. Du
coup, à son anniversaire d'après, elle a reçu la 3DS. Et Tranquille. Elle l'a toujours bien conservée. Celle-ci va très très bien. Bon. Toujours en état de marche. Donc elle a appris de ses erreurs. C'est bien. Elle a compris qu'il ne fallait pas mettre de l'eau dans une console, évidemment, électrique. C'est beau, elle a encore en vie. C'est beau, bravo. Elle n'a pas tiré la console en deux non plus. Non plus. Mais quelle anecdote, mais... Oui, quand même, les parents sont courageux quand même de racheter des consoles à chaque fois. Ils ont peur de rien, hein. Ils se disent, bon, allez, ça arrive une fois. Bon, ça arrive deux fois. Bon, allez, encore une troisième. Bon, courageux. Une fois, c'était par accident. L'autre fois, c'était par stupidité. Oui, après les jeunes, elle était jeune, ça arrive. Oui, voilà. C'est les erreurs de jeunesse. C'est les erreurs de la vie, voilà. Mais très belle anecdote en tout cas, Kivini. Ça fait bien plaisir. Merci de m'avoir accueilli sur la radio. Mais tu reviens quand tu veux sur la radio, Flavien, avec grand plaisir. Hein. Tu passes quand tu veux. La porte, elle est ouverte. À plus, Kivini, gros bisous. Bye bye tout le monde. Bye. Bah, très sympa encore ce petit Kivini. Hein, on peut dire bravo, Kivini, d'être passé. Est-ce que quelqu'un veut faire un dernier passage avant qu'on aille faire du FNAF 3, très sympa, hein. Encore bravo Kivini, bravo Océane et bravo Val. Est-ce que quelqu'un veut me raconter une petite anecdote sur un jeu, un truc rigolo ou alors un truc que vous aimiez faire pas forcément jeu vidéo, ça peut être un film, ça peut être une série télé, ça peut être ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie de passer et de me raconter un truc ou pas? Hein, n'hésitez pas. C'était au top, Kivini. On retiendra évidemment. On retiendra évidemment que de tirer des Nintendo DS, faut pas. Hein, c'est pas. Voilà. C'est pas forcément. Bon. C'est pas la solution. Et ne lavez pas vos consoles, vos Game Boy, vos DS, ce que vous voulez. Ne mettez pas de l'eau dedans, surtout. Ça me rappelle une anecdote où il y a quelqu'un qui me l'avait envoyé, qui m'avait dit que par vengeance, je crois. Peut-être que j'ai plus l'anecdote exacte dans ma tête. Mais par vengeance. Il avait pris la console. Il avait pris la console de quelqu'un, je crois de son frère ou de sa sœur, parce qu'il était, il s'était saoulé, il s'était engueulé. Il avait pris sa console, il l'avait mis dans les chiottes, genre volontairement, il l'avait mis dans les toilettes, dans le fond des chiottes. Et il avait rajouté dans son mail qu'en plus de ça, vu que c'était pas encore assez, il avait tiré la chasse. Genre, vous voyez, genre le what the fuck quoi. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Genre, il prend la console, il la fout dans les chiottes, il regarde genre sa sœur et il appuie sur la chasse d'eau. Il était content, hein. Vous voyez, c'est à peu près l'esprit là qu'il y a dans mes anecdotes que je reçois par mail, voilà, pour YouTube. Voilà, il tirait, hein, il a tiré bien la télé, il était content, hein, ravi. Donc ça donne foi à l'humanité, hein, c'est chouette. Ça vous a plu en tout cas ce petit moment là? C'était sympa, hein. Est-ce que ça vous a plu, ce moment, cette petite Radio Flavien, hein? On va l'appeler comme ça, c'est rigolo, non? Radio Flavien, bonsoir. C'était sympa? Avec des petites thématiques. Ah, on se le fera plus tôt. La prochaine fois, c'était sympa, comme ça, vous pourrez vous mettre... vous pourrez venir discuter. C'était chouette. J'ai bien aimé, là. On invente des trucs, on invente des concepts comme ça, là, à fond de balle. C'était chouette, hein, j'ai adoré. Merci aux personnes qui sont venues. Bah, c'est cool, ça vous a plu. La Radio Flavien. Bah, avec plaisir. Merci Val. Merci Océane. Et merci Kivini d'être passé. Ouais, c'était cool, hein. La Radio Flavien. La radio qui te fait du bien. C'est horrible. Non, je rigole, hein, je plaisante. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Un peu gêné. T'as pas été... Hey, Val. Franchement, même la gêne. Vous n'êtes pas des professionnels, moi non plus, vous le savez. Moi, j'ai un peu l'habitude parce que je le fais tous les jours. Mais vous n'êtes pas des professionnels et je n'ai senti aucune gêne dans les trois. C'est pas un exercice évident. Déjà, donc, je tiens à vous rassurer, vous avez été au top du top. Concrètement. Et puis, dans tous les cas, même si vous étiez gêné, c'est rien. Hein, je suis là pour vous mettre à l'aise. Je suis là pour vous donner la parole, pour vous faire rire, histoire que vous soyez... parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, cette histoire. C'est pas évident, hein. Ouais, c'est sympa le concept. Donc au programme, à 22h, on va se lancer dans FNAF 3. FNAF 3, Five Nights at Freddy's. La découverte du troisième, donc clairement, parce que c'était pas prévu, mais bon, on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on coupera évidemment le live. Comme la dernière fois, je couperai le live, histoire qu'on soit bien séparés les lives. Et puis on se lancera dans FNAF 3. Vous me direz si vous entendez bien le son du jeu.
Hein, vous me direz avant, si vous entendez bien, ce que vous voyez bien, voilà, etc., etc. Je m'étais pas du tout préparé à faire FNAF 3. Du coup, c'était prévu pour la semaine prochaine. Ben, va falloir que je me prépare. Et t'as marqué cet opus y a pas, on m'a dit beaucoup de bien du troisième. Voilà. Donc là, on va faire FNAF 3. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, on se fera le 4. Je sais pas. A voir, j'aime bien un peu changer de temps en temps aussi, de pas faire que du FNAF. Je vais voir, on verra, ok? Ben, je comprends les jeux d'horreur. Mais c'est vraiment une soirée dédiée jeux d'horreur après le soir. Ouais, tu peux fermer à clé, Nao, merci. On dit merci à Nao qui a géré les entrées et les sorties. Merci, Nao. Et merci également à Constance d'avoir fait les petits sondages pendant la soirée. Merci les modos, vous avez assuré. Comme d'habitude, vous avez assuré. Comme d'hab. Ah, il est pas très flippant, le 3? Ah, bon, bah ça me rassure. Voilà, mais c'était cool. On se fera une autre Radio Flavien une prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de faire un petit logo Radio Flavien. Qu'on pourrait foutre genre là, en bas. Hein, qu'est-ce que ça... Ça vous tenterait d'avoir un petit logo exprès pour la Radio Flavien? Après, il faut que des gens passent aussi, hein, donc ça pourrait être sympa. Est-ce qu'on vote pour le... Est-ce qu'on vote le nom Radio Flavien? Est-ce que ça vous plaît comme nom, Radio Flavien? Est-ce que du coup, on va faire du Josh Setting et ça va être que des Radio Flavien? On peut, hein? Radio Flavien. Bon, vous avez l'air de bien aimer. Eh ben, c'est cool. Écoutez, on fera ça, alors. On va Jennifer faire ça. Et moi, on passe crème. C'est bon. Eh ben, c'est cool. Eh ben, adjugé. Vendu pour Radio Flavia. Samba, j'ai jamais. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce Judge Chatting. Encore merci à tous les intervenants. Mais oui, je pense qu'on fera ça. On fera une heure de Judge Chatting normal et une heure de Radio Flavien où vous pourrez venir papoter de ce que vous voulez avec des thèmes bien précis. Pardon, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est bon. Donc je vous dis, en tout cas, merci d'avoir suivi ce Judge Chatting. Merci à tous ceux qui ont regardé en replay sur la chaîne secondaire. Merci à vous, merci à tous ceux qui ne vont pas poursuivre le reste de la soirée, puisque là on va partir sur Five Nights at Freddy's 3. Donc voilà, si vous avez peur des jeux d'horreur, ne venez clairement pas, parce que c'est pas venu là pour enfiler des perles. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vais couper le live, et je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures, bye bye.